Ce vendredi 8 septembre marque le triste premier anniversaire de la mort d'Elisabeth II. L'heure est aux hommages, mais aussi à la redécouverte de la vie de cette femme historique. Maman de 4 enfants, jamais elle n'est apparue enceinte devant son public. Comment a-t-elle fait pour cacher cela ? 2022 a marqué un tournant dans l'histoire du peuple britannique. Après plus de 70 ans de règne, la reine Elisabeth II tirait sa révérence. Le 8 septembre, elle rendait son dernier souffle, laissant sa couronne entre les mains de son fils Charles. Le deuil a été particulièrement difficile pour la famille royale qui perdait l'un des véritables piliers et emblèmes de la couronne britannique. Le peuple s'est déplacé pour venir faire des adieux à la défunte reine, bravant des heures et des heures de queue. Si est-il ainsi, sur cette triste fin, que Charles III montait sur le trône. Cela fait donc un an que la reine est décédée ce vendredi 8 septembre 2023 et les hommages ont afflué en masse. Harry, de retour à Londres, lui a rendu un vibrant hommage, tout comme William et Kate. Le roi Charles III n'a pas manqué d'adresser un mot à sa mère, « Nous nous souvenons avec beaucoup d'affection de sa longue vie, de ses services dévoués et de tout ce qu'elle a représenté pour beaucoup d'entre nous », a-t-il écrit. Une vie privée bien conservée, cette date est également l'occasion de revenir sur les temps forts de la vie d'Elisabeth II. Outre son couronnement ou encore son mariage avec le prince Philippe, la monarque a donné naissance à 4 enfants. Charles, Anne, Edward ou encore Andrew. Pourtant aucune image ou vidéo de ses grossesses n'existe. Il faut dire qu'Elisabeth II a usé de stratagèmes pour garder ses moments de vie privée. À l'époque, les royaux ne montraient pas leur grossesse. Pour cela, l'épouse du prince Philippe portait des vêtements amples. Lorsque cela devenait trop compliqué à cacher, elle se retirait au vert. Enceinte de Charles, n'étant encore qu'une princesse, une simple annonce avait été faite, précisant qu'elle prenait une pause dans ses engagements royaux pour une courte durée. Lady Diana et Kate Middleton ont bien rompu la tradition avec une photo du bébé dans les bras à la sortie de la maternité.